Prends le temps de laver. Pour voir où est-ce que il reste encore de la peinture. Puis où est-ce que ça a été bien nettoyé. Là, t'en profites, là, si tu fais ça l'été, t'es mort. Ça, c'est vraiment, faut que tu fasses ça, là, hors saison. Ça fait tellement de poussière, là, que fais-moi pas à croire, là, que, mec, tu mets tes tentes, là, pis tout, ça va, écoute, au bout de ça. Il y en a trop, ça va en faire de la poussière. Tu prends ça des belles journées où ce qui vente, là, des belles journées où ce qui vente, c'est pas mal le best. Ceux qui ont suivi l'histoire, vous vous rappelez que cette brique-là, elle avait de l'air, là. Tout était noir. J'en ai gardé une coupe, là, que le client puisse voir la différence, là. Mais, tu sais, je pense dit, là, ça en fait de la poussière de brique, là. Là, ben, tu fais pas une barbouille de même, ça marche pas. Faut vraiment que, tu sais, quand tu passes, ça a l'air de rien, là, mais tu passes sur chaque brique. Bon, ici, il y a pas mal de peinturé, là. Mais la poussière qui a été faite juste à côté, quand tu nettoyais les briques, se dépose dessus. Fait que tu l'enlèves. Là, tu es obligé de l'enlever, là. Pas le choix. Sinon, tu peux pas faire ton mortier si jamais tu l'as pas fait. Ok, bon. J'espère qu'on va passer une bonne journée. Ça ose aujourd'hui. On va aller voir quand même là, la job d'hier. Bon. Ça fait 3 degrés pendant la nuit, fait que c'est une bonne affaire. Ceci du détail. Je viens nettoyer le mur, là. Je viens tout nettoyer avec la hose aussi, là. Pas laisser de rouge à terre, là. Ça rentre ses souliers, le monde marche après, là. J'ai bien tout nettoyé ça, puis... Au-dessus de ça. Bonne journée.